Les gens, c'est Noctis, on se retrouve pour ce nouvel épisode de la Noctistory. Alors, que je vous raconte un peu mes aventures avec mon joli logiciel de tournage. Parce que il faut savoir que j'ai tourné un épisode où voilà, je sortais de la mine, je récupérais pas mal de choses, enfin bon. Bref, le fait est que j'ai fait tout ça pendant un épisode, hein. Donc voilà, c'est 20 minutes de perdu, beaucoup plus de temps de jeu, hein, bien évidemment, mais vous perdez 20 minutes. Donc pendant ces 20 minutes, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai fait des chants et j'ai fait des tests là-dessus qui au final, bah, ça ne marche pas, tout simplement. Le test étant que je voulais que la pastèque pousse sur le sable, qu'avec ça, ça casse la pastèque, que je me redécale, le sable tombe. Et du coup, voilà, c'était propre, c'était nickel, j'avais pas besoin de sticky piston, je suis coincé, putain, ça casse les couilles. Donc voilà, ça c'était l'objectif. Bon, ça marche pas, donc il faut des sticky pistons et de la dirt. Bon, ça, on trouvera un chaga slime un jour. Ensuite, bah ça avance tranquillou. Là, j'ai commencé gentiment à faire le chant. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? Parce que c'est pas tout ça, mais une fois qu'on a fait, on aurait pu faire tout ça, mais on ne l'a point fait. Ce qu'on va faire, c'est que vu qu'on a 12 petits levels, on va faire des enchantements mignons. Donc, on prend le lapis. Où est mon stack de lapis? J'avais un stack de lapis tout à l'heure. Je vous jure que j'avais un stack de lapis. Je l'aurais pas ramassé, il aurait dispo. Oh bordel, sérieusement? Je retournerai pas en grotte. Hein. Fuck that shit. J'avais un. Je sais pas où il est passé. J'avais un stack de lapis et je m'en suis pas servi, donc. Osef. On pourra dire que je triche, mais vas-y, on va se le donner en bloc. Ça fera 63, bon, on s'en fout. 7. Non, je ne récupère que ce que j'avais, hein. Je ne reprends que le stack que j'ai perdu, que je ne sais pas où il est passé, parce que, enfin, vous le voyez, enfin... Oui, j'ai réenchanté la même pour pouvoir la dupliquer après, mais... Enfin, pas la dupliquer, mais tout booster d'un seul coup, mais... Mais merde, enfin, j'ai pas pris un stack entier, enfin, j'avais un stack et 30 quelque chose, et... Non, voilà, non, juste non. Vas-y, chute amortie, très bien. Protection 1. Protection 1. Oh, fait chier, protection 2. La solidité tranchant. Protection. Voilà. Cette fois, on fait gaffe de bien récupérer. Quand je vous dis qu'il y a des problèmes, enfin, j'ai pas rêvé là. Le lapis, il a disparu. Non, mais. Le lapis a disparu. Voilà, c'est... Vous venez de le voir, je peux pas... Je peux pas faire plus, mon lapis vient de se faire bouffer. Parce qu'au final, en plus, je m'étais dit, mais c'est insupportable. Bon, bah... On va en prendre que 6, parce que, voilà, enfin, un peu de respect, mais bordel. Efficacité, très bien, je demande pas plus. On le reprend et on le range. Cette table d'enchantement, c'est... Elle est maléfique, cette table. Bordel. Bouffe tes ressources, là, c'est... Nye. M'énerve. En plus, je suis un peu de mauvais... Enfin, je suis un peu remonté contre Action, parce que... C'est bien beau de faire 40 minutes de tournage, mais voilà quoi, enfin... Là, actuellement, du coup, il est tard. Moi, j'ai pas... Non, je vais changer d'arme, par contre.
Parce que celle-là, elle n'a pas aura de feu. Et je veux aura de feu. Et j'ai plus les niveaux du coup pour fusionner mes deux. Oh le débile. J'aurais pu avoir une super pioche de rubis. C'est pas grave, c'est pas grave. On va aller prendre, on va prendre ça, ça et ça, ça dégage. On va aller voir dans le garage, vu que c'est là qu'il y a l'enclume, hein, normal. Putain, et toujours ces lags, c'est lourd. Coûte 11. Coûte 11. Très bien. Bon bah on a de quoi s'emmerder. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire, on va partir de, enfin qu'on parte maintenant, enfin qu'on parte la nuit ou le jour, je m'en fous un peu en fait. On va partir à la recherche d'un village. Alors par où on va partir? On va partir tout droit. Tout droit moyen, hein, mais enfin voilà. On va partir en ligne droite jusqu'à ce qu'on trouve un village. L'objectif, c'est de trouver soit des patates, soit des carottes, ou les deux. Et au pire, et avec un peu de chance, les zombies nous en donneront aussi. Et peut-être au passage se refaire un stack de bouffe. Pas un stack, un stock. Un petit stock de bouffe parce que c'est pas que c'est la dèche, mais c'est la dèche quoi. Et je ferai pas la blague du c'est la dèche parce que voilà. Tiens, meurs. Donne-moi, donne-moi, voilà. Il m'a juste donné la peau de lapin. D'accord, très bien. Va te faire foutre. Je ne peux plus courir. Oh bah voilà, hein, comme ça c'est fait. Hein. Tu voulais aller vite un village, bah non, ferme ta gueule, voilà, cordialement. C'est super. Alors. Oh putain, il m'a mis en feu. Est-ce que du coup. Ah non, du coup, ça me fait même pas de la chair de zombie putréfiée cuite. Chose que j'aurais pu éventuellement penser, hein. Oh, squelette de mes couilles. Je crois pas que j'y arriverai aujourd'hui, hein. Franchement, je suis. Je suis extrêmement fatigué parce que. Bah. Meurs. Oui, rôti de lapin. Je suis. Oh, il y a un slime! Oh! Attendez, 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 attendez. Oh, il va peut-être me refaire ma journée, ce con. Alors d'abord, toi, dégage. Ah, et puis il est pas petit, quoi. Oh, il va refaire ma journée. Parce que justement, je disais dans l'épisode précédent que j'allais devoir partir à la recherche d'un Chaka Slime. Mais en fait, je suis juste à côté d'un Chaka Slime. Et ça, c'est la vie. Attends, le slime, 2 secondes. Toi aussi, tu vas te faire défoncer, t'inquiète. Faites péter les slime balls, bordel. Oh, je suis refait. Oh, c'est. Vous pouvez pas imaginer à quel point je suis refait, là. Oh, j'étais extrêmement de mauvais poil. Et là, la bonne humeur, elle est reviendue, quoi. C'est oufissime. 9 boules de slime, c'est trop cool. Ok, bah il faut savoir que ici, à 100 mètres de la maison, j'ai un Chaka Slime. Très bien, c'est cool. Bon bah bah il y aura un slime là-bas. Oh, c'est trop bien. Oh, il y a des slimes partout. Oh, je kiffe. Date découverte, bordel. Oh, bonheur, joie, allégresse. Bon, par contre, je me fais un peu gangbang par tous ces slimes, mais pas grave. On s'en fout, on a des slime balls, on va pouvoir faire tout plein de trucs sympas. À coup de redstone et de piston, quoi. Donc, voilà. Donc, ça va être funny fun. Touk, touk, touk. Voilà. Ah, joie, 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 joie. Je suis gay. Enfin, bon, bref, vous aurez compris. Pas dans le. Enfin, les yaouis, faites pas n'importe quoi, s'il vous plaît. J'ai beau aimer le yaoi, je veux pas qu'on me mette dans des yaoi. Vous serez mignon. Alors oui, je suis un hétéro qui aime voir des couples yaoi. Oui. Je vous jure, ça existe. La preuve. Mais bon, après tout, hein, je suis sûr qu'il y en a plein qui seront d'accord avec moi quand je dis que bah, le Brigrim, c'est la vie, quoi. Et le rêve, tu vois, ce serait que Brioche ou Rosegreen passent par là
voient ça et voient que on aime afficher leur chip de couple n'importe quand, n'importe où. De toute façon, le jour où j'ai quelqu'un de la grandeur de Rosegrim ou de Super Brioche qui vient sur ma chaîne, je vous raconte pas à quel point je deviens fou furieux. Hein. Bon, à la base, on était quand même. Aïe, j'avais oublié qu'il était en train de péter et que je pouvais pas le tuer en un coup. À la base, on était quand même parti chercher un village. Je ferme les mobs comme un gros con. Mais en même temps, j'ai des squelettes, c'est ce que je veux, parce que j'ai besoin d'os pour fermer la ferme, enfin mes fermes, et j'ai besoin de bouffe. Donc, mais ta gueule, oh, on se calme. On se calme tout de suite. Ça devient le dawa. Stop. Du fer. Y a pas de saphir ici? Non, bah non. Oui, non, je prie toujours pour trouver 20, enfin une trentaine de saphirs. Mais bon, je pense que je peux m'asseoir dessus. Hein. Concrètement, c'est comme ça qu'on dit. On va prendre la canne à sucre, ça pourra toujours servir. J'ai dit qu'on prenait la canne à sucre. Oh, gros squelette. J'aime les squelettes. Donc, continuons notre recherche de village et d'agriculture. Oh, des slimes. Oh, moi je me plains pas. Hein. D'habitude je galère toujours pour trouver des slimes. Là ils viennent tout seuls. Je fais pas. Oh j'ai une carotte! J'ai une carotte, bordel! Oh là 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 là! Cet épisode de la productivité, c'est oufissime. Il manquerait plus qu'une patate. Il manque plus que la patate, les gens. Bon, même si je l'ai la patate, mais c'est pas la bonne. Moi, je veux des patates pour faire des frites. Ah putain, je suis content. Je suis. Je voilà. Un épisode efficace. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ah ouais, j'ai une carotte. Ils m'ont droppé une carotte. Oh, une witch. Oh, quelqu'un que j'aime pas. Oh, tu vas mourir pour la peine. Ah. Des flèches dans le cul. Toujours et encore. On n'aime pas ça. Quand je vous dis que je suis terrible, j'aime pas prendre des trucs dans le cul. C'est tellement homophobe, bordel. Oh, franchement, je vous jure, j'ai rien contre les gays. J'aime les gays. Ils sont cool. Y a qu'à voir Arme. Il est drôle. J'aime bien Arme. Petit point dans les youtubeurs que j'aime bien. Ben, enfin, de toute façon, il y en a beaucoup trop pour que je les cite tous, mais bon. On va dire on va faire par style de jeu. Bah en fait, même en faisant par style de jeu, ce sera toujours les mêmes qui reviendront. Enfin, j'ai quand même une grosse préférence pour Cyanaconda et Super Brioche. Ah oui, et Misui aussi, Miss Addict, The Miss Addict, qui fait des choses très rigolotes. Faut peut-être que je pense à bouffer, moi. Mais. Oh. Donc ouais, j'aime beaucoup The Miss Addict, qui est une des rares québécoises que je suis. En québécois, je suis aussi Steel Horse, qui voilà, je trouve que c'est un peu une référence dans le YouTube québécois. Donc et voilà. Aïe, j'ai pris une flèche dans le cul. Ah oui, il est là-bas. Non, laisse-moi tranquille. Je te jure que je veux pas te voir ça, pour une fois. Donc je disais Steel Horse, Missouille, qui d'autre que j'aime bien suivre. Bah, par extension, si je suis Super Brioche, je suis un minimum Siphano. Forcément, l'île au trésor, tout ça. L'île au trésor, Skydef. Mister B-Boy, d'ailleurs, je l'ai découvert avec Skydef 4, enfin, même si The Miss Addict en parlait beaucoup. Pendant très longtemps, ça a été quelqu'un avec qui, enfin, qui faisait des vidéos dans un style que j'aimais pas trop. Et finalement, bah, on s'y fait, et ce qu'il fait est quand même assez drôle. Enfin, on va pas se cacher, il fait du très bon taf. Hein, il y a qu'à voir ses résultats sur YouTube. Et j'aime beaucoup ce qu'il fait.
Dans le même genre, je trouve qu'il y a Furious Jumper aussi. Mais Furious Jumper, je ne le connais que de. Que de Celestia. Je ne le suis pas autrement. Après, vous me direz, ouais, mais tout ça, c'est la bande à Stefano. Tout ça, mais. En même temps. Enfin. Je sais pas, les nouveaux youtubeurs de gaming autres que moi qui font dans beaucoup de jump cuts, de jeux un peu, de jeux quasiment que de jeux indés. Je sais pas, enfin, c'est pas déjà de 1, c'est pas mon style, tout simplement. Ouais, non, je suis un de la vieille, comme dirait Sif et Brioche dans l'île au trésor. J'aime bien ce bon vieux format de 20 minutes qui. Un vrai let's play, quoi. Enfin. Pas, je teste un jeu une fois et puis on passe à autre chose après. J'aime bien rester, m'attarder sur le jeu, vraiment découvrir un peu tout. Et donc voilà. Donc voilà, enfin, c'est surtout pour ça en fait que. On pourrait dire que. Alors par contre, étrangement. Parce que dans la bande à Siphano, il y a Frigiel et je sais pas, c'est. Enfin, j'ai rien contre lui, hein. Enfin, il fait du bon taf, il a des vidéos de bonne qualité. Je sais pas, je sais pas, je crois que c'est dans sa voix, il y a un truc qui me dérange. Donc, ouais, non, je sais pas. Et on trouve pas de village sans ça, hein, vous l'aurez remarqué, je parle de ma vie, de mes goûts. Mais on trouve pas de village. Oh, une vache. Oh, des vaches. Comme c'est étonnant. Vous que j'ai cherché à trouver pendant tout un épisode, c'était cool. Pas de village, pas de village, pas de village. En même temps, oh si, on peut continuer à chercher un village, parce que un village ça peut toujours être cool. Pour trouver de la patate. D'ailleurs, je sais plus comment on obtient des patates sans village. C'est aussi les zombies qui les drop? Dans ma tête, c'est ça. Mais est-ce que c'est vraiment ça? Ah, telle la question. On dira que oui. On dira que oui, c'est ça. Donc au pire, on fera mort les zombies, c'est pas très grave. Poulet, des poulets. Aussi que je fasse une machine à poulet. Mais à la limite, ça j'ai des œufs donc pour faire spawn des poulets, c'est cool. Enfin, pour faire spawn des bébés poulets. Voilà, en termes de bouffe, on devrait être bien. C'est beau, on a de la bouffe variée. On mange du lapin, des moutons, du poulet, du bœuf. Non, mais voilà, c'est varié. C'est cool. Oh, dans les objectifs que je pourrais mettre aussi, que je pense que je vais détester me mettre, mais que je pense qu'il peut être intéressant, c'est faire un guardian, tout simplement, qui est un des boss du jeu, mais qui n'a pas de succès à lui, ce qui est un peu étrange, je trouve, mais bon. Les développeurs, tout ça, hein. Voilà, on le rajoutera comme objectif dans le projet, enfin. À partir de maintenant, voilà, dans cet épisode-là. Allez, du cochon. C'est ce qui nous manquait, du cochon. Allez. Le porc, tu es cuit. Donc voilà, on rajoutera le guardian. Boss bien pourri, bien casse-couille, parce que bah, va falloir prévoir les potions de respiration. Hein. Tout simplement. Ou alors je ferai justement, j'en profiterai pour faire l'armure du scaphandre. Je verrai. Moi qui n'avais pas de. Qui ne voyais pas d'utilité. Ah bah tiens, on se servira peut-être de l'épi. Peut-être que je me servirai du jour où je modifierai le scaphandre. Pour. Enfin la tenue de plongeur, quoi. Pour vous montrer comment on change les trucs de mode. Hein. Voilà. Ah, je suis tombé dans l'eau. Ça pourra en intéresser certains. On ne sait jamais. Donc, voilà. Lolo. Allez là-bas. Putain, on trouve pas de village, c'est relou. On se casse les couilles. On se fait chier. Clairement, on se fait chier.
Bah vous savez quoi? Ellipse, le temps que je trouve une village. Je continue. Ça risque d'être long. Donc je continue. Et je vous retrouve là-bas. Et on se quittera quand on sera au village. Voilà. Puis c'est tout. Et puis on pillera les villages avant ensemble, bien évidemment, ne vous en faites pas. Hein. Et je ferai en sorte que tous les villageois soient dans les mêmes bâtiments. Pour prévoir éventuellement une usine, Espo. Donc voilà, on fera du trafic de villageois plus tard. Voilà. Allez, à tout de suite les gens. Oh bordel! Aïe, aïe, oh, ta gueule! Toi, dégage aussi. Bon. Hop. Qu'est-ce que. Bon, je pense qu'on va reprendre ici. Re les gens, donc. Voilà. 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 Il est là! Enfin, bordel! Vous pouvez le voir, plus 4000. C'était horrible. J'en ai chié comme pas permis pour arriver jusqu'ici. Entre. Je sais même plus ce que j'ai passé comme biome. J'ai passé la. Ça, cet enfer-là. Cet enfer-là. D'ailleurs, qui est en train de prendre feu à cause d'un lac de lave. Qui est une Dark Forest et qui est. qui en plus de nuit fait spawn plein de monstres, tout simplement. Des chevaux. On va tuer les chevaux. Donnez-moi du cuir. Amis des chevaux, ne regardez pas. Je vous l'ai déjà dit. Pas avec moi qu'il faut regarder une série. Allez, meurs toi. Comme ça, on a tout plein de cuir. On va pouvoir faire l'armure. En... Ah non, on n'a pas encore assez de cuir pour ça. Puis je pense que je vais d'abord faire un backpack, mais bon. Ok, bon, le village. Ah, oh, le village. Le village, merde. Ah, oh, le village. Dites-moi qu'ils ont des patates. Ils ont des patates! Oh, trop bien! Ils ont des patates. Je suis joie, je suis bonheur, je suis allégresse. Par contre, je suis full. Oui, entre-temps, j'ai dans un marais, j'ai trouvé une cabane. Et il y avait un chaudron dedans, donc du coup, je me suis servi. Voilà, aussi simplement. Ah bah, ils ont des carottes aussi. Allez, on y va, hein, sans pression. On pille, on pille, on pille. Par contre, pour les patates. Ah, c'est trop bien. On va pouvoir faire une culture de vraiment tout. Je crois que là, j'ai tout. Hein. Parce que j'ai les citrouilles qui seront certainement dans le même style que les. Ah merde, j'ai pas de place pour le blé. J'ai pas de place pour le blé. Donc ça veut dire que le blé que j'ai laissé. Ici aussi, voilà. Donc voilà. Donc ouais, donc citrouille. Je sais plus ce que je disais en fait. Citrouille, blé. Pastèque. Le seul truc qui me manque à faire, ce serait limite les Netherwart. On fera quand on ira dans le Nether. Mais sinon. Salut. Oh! Toi, je te garde. Ah, ils sont sympas. Je les aime beaucoup, eux. Y a pas une. S'il y a une forge. Qui est très bien. Ils sont jolis, ces blocs, c'est quoi? Ah, le problème quand t'as trop de trucs sur toi. Talent pierre.
Non. De la roche, tout simplement. Oui, quand il y a des blocs que je connais pas. Très bien. Très très bien. Je ne demande rien de plus, moi. Vous savez, moi j'ai pas besoin de plus pour être heureux. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Un peu d'eau fraîche et de verdure, tout ce que nous prodigue la nature. Quelques rayons de miel, de soleil. Allez, mourez tous, mourez tous. T'es gueule. Attends, l'eau là. Aïe. Je crois qu'il a une pelle en fer. Tous cuir pour de l'émeraude. Oh, toi, je t'adore. Bon, mais pendant le long cœur, par contre, je peux me le faire, tu vois. Ah, c'est cool. Ils échangent pas mal d'émeraudes pour pas grand-chose. Les bibliothèques! Par contre, y a des gens là-dedans. Salut toi. Salut toi. Il est mort. Il est mort quelque part, mais il est mort. Je vais te sauver. Sauver. Tu vends quoi sinon? Ah, t'as le truc bien toi. Ouais, il faut que je les protège quelque part par contre. Salut toi. Parce que sinon ça va être la merde. J'ai insulté que j'étais passé niveau 18 avec tout ce que j'ai niqué. Oh, tellement de bouquins. Oh, vous la sentez les solidités, je sais pas combien sur l'armure du gardien. Par contre, nouveau waypoint, tout de suite. Nouveau waypoint. Villageois. Vous m'excusez, je vous ai un peu tout volé. Par contre, ouais, c'est des trucs crus qui volent et ça me casse un peu les. Ça me les brise un peu en fait. Parce que moi, dans ma tête, mes machines elles vont cuire automatiquement tout ce qui est à l'intérieur quoi. Y a rien là-dedans. Non. Donc bon. Bref. Voilà, l'épisode aura duré, si tout se passe bien, une petite demi-heure. Donc, bon, bah, je pense que je vais tous les foutre dans une maison que je vais barricader, que je vais éclairer et barricader. Et, bah, comme d'habitude, lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir la suite et voir les autres vidéos, ce que je fais. Je ne fais point que du Minecraft. Lien dans la description pour suivre sur Facebook, Twitter, description, fin de vidéo, tout ça, tout ça. Vous connaissez les bails maintenant, donc Guel. Donc, bah, tout simplement, à la prochaine, tout le monde. Allez, bye.